Hello, here is Wrong Group. We are a multinational corporation specializing in the catering and hospitality industry with over 50 years experience. For all your restaurant needs, in our channel, many solutions for you. Follow us now. Bonjour, je suis Dong. Un amour de la cuisine et la peur de la viande après 90. Tous les jours avec des ingrédients simples pour faire des plats délicieux. Comme le dit le proverbe. La nourriture du peuple est le ciel. Il est clair que le statut de manger dans nos cœurs. La nourriture est devenue une partie essentielle de notre vie. La nourriture occidentale de temps précédent ne peut être entendue de la bouche des autres manger steak fourchette à main gauche. Couteau à main droite. La nourriture occidentale ne sont pas des baguettes. Avec l'amélioration des conditions de vie. Maintenant manger de la nourriture occidentale est très commun. Datant le dîner est un repas commun. Lorsque vous mangez un steak, pourquoi mettre un œuf frit à moitié cru à côté de lui? Ne comprennent pas ne pas manger. Fera une blague. Avant et belle-fille pour la première fois pour aller à un restaurant occidental et un peu gêné. Parce que je ne sais pas comment utiliser le couteau et la fourchette. Quand le serveur a dit de manger un peu mature. Ne sais pas. Directement dit de manger entièrement cuit. Peur de ne pas cuire à l'intérieur. Le résultat est trop cuit. Avec un couteau n'est pas bon pour couper. Manger et mâcher, en particulier un œuf cru. Difficile à manger dans, et gêné de dire. Vraiment manger un estomac plein de gaz. Mais maintenant j'ai mangé steak plusieurs fois à la lumière de ma belle-fille. Lorsque vous mangez un steak, quelle est l'utilité des œufs au plat dans l'assiette? Sachant que ne pas manger sans discernement fera une blague. Manger un steak quand nous mangeons généralement 7 matures. La viande entièrement cuite se sentir trop difficile à manger. Trop cru et pas pour nous. Surtout il y a des gens qui mangent 3 matures. L'impression qu'il y a encore du sang à l'intérieur. L'air aussi vraiment horrible. Maintenant nous sommes familiers avec manger un steak quelques matures et dont la main tenant un couteau et une fourchette. Mais pourquoi ajouter un œuf cru au steak? Pourquoi pas frites? Même si vous aimez manger des œufs en vrac mais ce n'est pas ce genre de cru à. Aujourd'hui Xiao Dong va vous parler de cet œuf cru. En fait, il y a un œuf cru à l'intérieur du steak. C'est une habitude passée de l'étranger. Ils aiment manger des œufs crus. Steak hors de la poêle lorsque le grill est encore chaud. Les œufs peuvent être frits dessus pendant un certain temps. Parfois ils semblent solidifiés. Mais le jaune d'œuf s'écoule lorsque la cuillère est attachée. En fait, le mélange de cru est étalé sur le steak pour le manger. De sorte que le steak n'est pas si cru. Le goût est également plus lisse et tendre. Mais aussi vous pouvez également le manger avec de la salade et des légumes. Le goût est également plus frais. Mais nos habitudes de table nationale et étrangère ne sont pas les mêmes après tout. Beaucoup de gens ne peuvent tout simplement pas manger des œufs crus. D'une part le goût est un peu poissonneux. D'autre part les œufs non cuits à l'intérieur sont particulièrement faciles à élever des bactéries. Donc nous pouvons commander à l'avance au serveur que les œufs frits soient cuits un peu. Ou juste après la fin du steak. Nous pouvons utiliser la chaleur résiduelle de la poêle à frire. Retournez rapidement les œufs. De sorte que les œufs peuvent également avoir le genre de cœur lâche que nous mangeons habituellement. Nutritif et délicieux. If you are interested in our videos, remember to follow us. Wrong Group, more than 4,500 restaurant choice. We will keep surprising you. See you.